complete departure from another damn place. Juin 1944. Arza découvre le bourg de Sarre vide de ses habitants quand une troupe d'Allemands arrive. Il part en direction des grottes de Sarre où il pense que les villageois se réfugient. Ok, Arza vient d'avoir une épiphanie. Je pense qu'il vient de comprendre. Il fait sombre, j'imagine, dans les grottes. Oui. Ok, donc Arza va ressortir parce qu'il fait trop sombre. Il va sortir le carnet de Damien. Et il va regarder dans les dernières pages si Damien parle d'un... Parce que là, il se souvient tout d'un coup la conversation qu'il a eue la veille avec Damien, qui lui dit « Est-ce que tu serais capable de faire le nécessaire pour faire partir les Allemands ?» Donc, faire des actions extrêmes pour repousser l'envahisseur. Mais plus cette histoire de poison... entre guillemets, probablement pas poison d'ailleurs, et cette odeur persistante à chaque endroit où il y a pu y avoir des gens, il va chercher si Damien parle pas en fait d'une sorte de poison, à défaut du bon terme, qu'il aurait utilisé pour changer le comportement par exemple. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu me dises si Arza se souvient le matin même, quand les Allemands sont arrivés, est-ce qu'il aurait vu Damien ou Pedro ? C'était Pedro, c'est ça ? Pierrot. Est-ce qu'il aurait vu Damien ou Pierrot boire quelque chose quand les Allemands sont arrivés ? Arza n'a pas vu ni Pierrot ni Damien. Il a entendu les coups à la porte. Mm-hmm. Et en fait, le temps qu'il se lève et qu'il aille voir, parce qu'il est en train de préparer les déjeuners, un truc comme ça, il a vu personne. Il a juste après entendu les hurlements, les cris. Et quand il est sorti devant, il n'y avait rien sauf les traces de sang et le véhicule. Et après... Est-ce qu'il y avait cette odeur de charnier mélangé avec l'humidité à ce moment-là ? Ou est-ce qu'il s'en souvient, en fait ? Fais-moi un jet de... C'est idée ou luck ? Non, c'est chance. On va dire que c'est plutôt de chance. Moi, je dirais plutôt idée. Alors, idée ? Je suis meilleur en chance, mais à mon avis, c'est... il réfléchit, il essaie de se souvenir quelque chose. Donc c'est idée, ouais. Allez, idée. J'aurais dû choisir chance. Je rate. Non, je ne me souviens pas. Donc, ce que se souvient Arza, c'est qu'il avait cette odeur-là, il l'avait senti sûr dans la partie établie. Oui. Ou la petite bicoque, mais devant ce truc-là, non, il n'a pas de souvenir associé à ça. Ouais. Donc en fait, la raison pour laquelle Arza sort de la grotte, c'est pour parcourir en fait... Alors j'espère que Damien, il n'écrit pas en polonais dans son carnet, parce que sinon je vais rien piper. Mais essayer de décrypter les pattes de mouche aristocratiques pour voir s'il parle d'un truc comme ça. Et probablement, il ne va pas se taper tout le carnet, il va juste regarder les dernières 3-4 pages, voir s'il y a un truc qui parle d'eau ou quelque chose comme ça. Voilà. Mm-hmm. Et donc il cherche. Okay. Est-ce que déjà j'arrive à lire ? Oui. Tu vois qu'il est, il écrit en... Enfin, il écrit en français. C'est pas gagné, hein. On s'entend. Comme je suis pas la fiche de personnage de Arza, je sais pas. Arza a 36% en français. Bah, il va falloir faire un G alors. Ouais. Ou il aurait une compréhension très diminuée en fait. Mm-mm. Tu vois, si c'est la potion magique qui transforme en loup-garou, il va comprendre l'eau qui sent bizarre, qui fait puer la bouche, quoi. Ou un truc comme ça. Mm-mm. Donc, Arza sort de la grotte, ouvre les 4 dernières pages,
Et se rend compte avec horreur que c'est écrit en français, et en plus c'est très mal écrit, une espèce de patte de mouche d'écriture cursive, et il va essayer de se souvenir de ses rudiments de français, qui d'ailleurs il n'a jamais appris à l'école, on s'entend, pour déchiffrer ce qu'il a écrit. Et donc sur 36%, il fait 29! Oh. Magnifique. Il fait une prière silencieuse. À sa professeure de. Ou à son ami Victor. D'ailleurs, il l'appelait Bitcher, mais en fait, il s'appelle réellement Victor parce qu'il était lyonnais et qu'il a aidé à améliorer son français dans les dernières années de sa vie. Et donc, arrive à décrypter qu'il y a une histoire d'abbé, une histoire de trucs et une histoire de signes. Effectivement, dans le livre, ce qu'il découvre, c'est qu'il y a du texte et bien sûr, il y a des dessins, apparemment des représentations de d'objets ou de tableaux. Et puis aussi, il y a des pages qui sont noircies de crayons complètement incompréhensibles, comme si quelqu'un avait été pris peut-être de démence ou de gribouillage. D'ailleurs, tu vas me faire un petit jet de santé mentale. Ok. Et donc, tu fais ça. Dans les informations aussi qu'il va essayer de voir, il va effectivement noter le passage, ça parle des Allemands aussi, il y a une partie sur les Allemands qui sont présents dans le secteur, avec un symbole qu'ils avaient particulier. Commençons par le jet de santé mentale. Donc, j'ai 80 et je fais 13. Ok, donc tu comprends ce que tu lis. D'accord. Je suis pas effrayé. Non, par contre, donc tu pars pas en folie ou quoi que ce soit, donc ça c'est bon. Mais ça touche à des discours qui te glace le sang, parce que même s'il n'y a rien d'horrifique dans ce qui est décrit par Damien sur ses recherches, tu sens qu'il y a une vérité dans sa quête et ça te fait ouais, tu sais pas pourquoi ton corps réagit en transpirant ou en se crispant. En tout cas, et effectivement, parmi les extraits de textes qui ont attiré Artsa, il y a une partie de texte qui effectivement sur une recherche autour d'un procès de sorcellerie à Zougaramourdi. Et un lien entre ce procès et un objet ou quelque chose, en tout cas qui pouvait être utile dans la volonté de Diamant de trouver une solution pour, à minima, protéger la région de Sarre des Allemands. Et que cette quête-là l'a entraîné dans une certaine un peu folie, puisque y a des passages de texte qui sont vraiment incompréhensibles, qui sont des gribouillis, tout ça. Enfin, en tout cas, c'est assez prégnant et ça fait une réalité pour Damien, c'est sûr, et donc pour Assa, ce qui lui fait prendre conscience de quelque chose. En même temps, il découvre que Damien était aussi bien informé que les Allemands étaient là, était à la recherche d'une relique aussi, sûrement la même pièce que lui, sauf qu'il devait chercher pas au bon endroit dans la région, alors que lui avait su trouver. Donc tu comprends aussi par plusieurs endroits dans le livre, c'est qu'il a plusieurs fois essayé de parler de cette situation-là, what, mais qu'il n'a jamais trouvé les mots, et il a quand même noté la veille de votre discours qu'il avait encore une fois vraiment presque te proposé de participer, mais qu'il n'y arrivait pas, et que ce qui le fait basculer dans essayer de déclencher peut-être ce que les sorcières savaient faire ou pas, c'est parce qu'il y a eu quelque chose dans une ville qui s'appelle Tulle, il y a Qui est dans le quelques nord. semaines de ça. Tulle, c'est dans le nord. C'est dans le nord par rapport au Pays Basque, mais sinon c'est en Corrèze, mais. Ouais, En tout cas, c'est dans le c'est sud de dans la le nord. France. Voilà, c'est ça. C'est dans le nord du Pays Basque. Et donc, voilà, ça l'a fait décider de passer à l'action. Et il aurait aimé ton appui, mais il n'a pas réussi à trouver les mots. Donc, tu ne sais pas exactement ce que c'est. Par contre, c'est quelque chose qu'il avait commencé à faire. C'est quelque chose qui, grâce à Pierrot, il a préparé. Il a mis quelque chose, donc tu comprends pas bien tout. Mais il a commencé à préparer des choses un peu alchimiques ou choses comme ça, qu'il a versé dans le puits du village. Et qu'il a besoin d'aller à l'étape suivante. Par contre, c'est pas clair ce que c'est l'étape suivante et tu comprends pas bien quoi que ce soit. D'accord. Et effectivement, la dernière entrée, ça date du 20 juin 44. Qui était la veille où il disait, j'ai pas pu Qui lui était la parler. veille? J'ai pas pu parler C'est à ça. Arsa. Et j'essaierai de à nouveau demain. Et en fait, demain, c'est ce qui s'est passé quand les Allemands ont débarqué. C'est très flyé. L'autre information peut-être que retient aussi Artsa, c'est l'objet, l'artefact ou la relique en tout cas que cherchait et qu'a trouvé a priori Damien, c'est une sorte de tablette. Et dans cette tablette, il y a apparemment quelque chose qu'il a mis très très longtemps à trouver. Il manque une pièce, c'est comme s'il avait un creux.
Et la pièce qui manquait, c'était une sorte de dé. Donc Artsa se souvient aussi qu'il a vu Damien jouer avec un dé la veille. Et Il a joué voilà. avec un dé chez lui. Oui. Donc si je résume, il a l'impression d'avoir trouvé un moyen de combattre les Allemands à partir de cette tablette qu'il a trouvée à la grotte de Zugarramondi. Il a fait des recherches pendant, ben, ça remonte quand même pas mal de temps, hein, juin 1942. Donc pendant tout ce temps, il a cherché les recherches, il a fait les signes. Et en parallèle, il y a un groupe d'Allemands qui essayait de faire la même chose. Et est-ce que les dessins du blason allemand qu'il y a dessus, c'est le même dessin que avait la femme dans le camion allemand dans le centre du village? J'imagine que oui. Non, pas que sur le camion. Par contre, tu peux me faire un jet d'idées. Allez. 32 pour 60. J'y lis beaucoup. Donc, le symbole que tu as vu sur le camion, c'est le même symbole que celui qui est sur la soldate que je t'ai montré. Donc, elle est en épingle là sur le quoi? Donc, l'aigle avec la croix gammée. Non, donc le symbole qui représente sur le cahier est différent. Par contre, ce symbole, tu l'avais pas calculé au départ, mais oui, tu l'as vu sur la main du soldat qui t'a grippé dans le bar. Donc, il avait tatoué ce symbole-là sur le dessus de la main. D'accord. De toute façon, il parle de l'ASS. Donc l'ASS est impatiente et a besoin d'informations. Ok. Bon, ben en fait, ça m'aide pas beaucoup non plus. Donc, ça parle, en l'occurrence, ça parle pas de eau, parce que le but, c'est quand même trouver s'il y avait trouvé un poison pour mettre dans l'eau, et c'est pas du tout ça. Si ça en parle, il dit qu'il a fait quelque chose dans le puits. Ah bon? J'ai commencé les préparations et j'ai laissé le village les prémices. Je dois être prudent et agir en retour. Mais il parle pas de. Voilà. Donc c'était, il parle pas du puits, mais. Oui, effectivement. En tout cas, il a déjà commencé à faire des choses dans le village. Ouais. Et effectivement, quand tu as trouvé l'établi dans la zone aménagée avec ces odeurs d'alambi, quelque chose comme ça, où il y avait cette odeur-là. C'est aussi l'odeur que tu as retrouvée dans le puits. Et sur les vêtements de Pierrot. Oui. Donc, résumé de la situation, j'imagine que Artsa peut très bien comprendre qu'il y a toute une dimension mystique Oui. autour de ça. Damien était persuadé qu'il allait être capable d'utiliser des connaissances mystiques liées à Dieu, et j'utilise le mot Dieu entre guillemets, qui s'appelle Ithaka, dont il parle régulièrement, et que pour ce faire, il a fabriqué une sorte de poison, ou quelque chose comme ça, une substance, un poison, qu'il a déversé dans le puits du village de Sarre, et qui a fait que tous les habitants sont partis. Et de la même façon qu'il a fait que Pierrot aussi a dû en boire, et voilà. Donc une fois que Artha a réussi à remettre toutes les pièces du puzzle ensemble, il va re-rentrer dans la grotte, il va se rediriger vers les caisses, et tu dis qu'il y a de l'alcool et tout, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il sait réellement de l'alcool, ou est-ce que si j'ouvre une des bouteilles, ça sent plus la même odeur que style des bouteilles remplies de potions magiques, quoi? Non, ça sent pas cette odeur, ça sent de l'alcool, du marc de vin ou des choses comme ça. D'accord. Est-ce que ça ressemblerait à des réserves de nourriture et de boissons? Non, Non. non, pas des réserves de. Non. Ok. Fais-moi un jet de listen. Tout à fait. S'il te plaît. Ouh, 0-1! Ouf, ça méga critique. Tout d'un coup, je perçois le silence de l'univers. Exactement. Tellement concentré dans tes bouteilles, tu es dans une meilleure position, en tout cas bien plus attentif. Effectivement, tu entends une voix, des voix, un rythme. C'est comme s'il y avait des chants très rythmés, très graves, très bas, un peu plus profond dans la grotte. Est-ce qu'il chante en basque? Pas du tout. Bon, c'est pas normal alors. C'est très diffus, mais c'est pas du basque. Tu sais pas trop ce que c'est, il faudrait se rapprocher sûrement pour savoir. Eh ben, je vais me rapprocher. tu sais ce que je vais faire? Donc, les caisses, il y a juste des bouteilles, c'est ça? Il y a des outils, ouais, des bouteilles, il y a peut-être d'autres trucs, peut-être Des plus de vêtements? l'essence de térébenthine, des trucs comme ça. Non, il y a peut-être des tissus, mais peut-être pas de vêtements, non. Très bien.
je vais découper un bout de tissu et je vais le plier. Et je vais prendre une bouteille d'alcool fort et je vais imbiber le tissu dans l'alcool fort et je vais refermer le bouchon par-dessus. Donc en fait, je viens de me faire un cocktail Molotov. Très bien. J'en prends juste une, hein. C'est au cas où il y aurait un truc vraiment grave avec les Allemands. Mais... Ah ouais. Mais je prends ça, je le mets dans ma poche. Et puis, donc, je me dirige, toujours maquille en main, sans faire de bruit, ce qui est assez difficile à faire dans une grosse, parce que ça résonne beaucoup. C'est un petit sneak, c'est ça? Ouais, sans faire de bruit, j'essaie de me rapprocher de, cette, de ces voix à mélopée, pour essayer de voir ce qui se passe. Et donc, je peux faire un test de sneak, tout à fait. C'est ça que tu veux que je fasse? Oui. Alors, je fais 26 pour 57. Je le fais pour Shimon aussi. Donc tu avances très discrètement dans cette grotte. Et effectivement, plus tu avances et plus tu entends les voix qui résonnent et qui chantent. En tout cas, c'est quelque chose d'avoir très rythmé, très régulier, extrêmement régulier, assez grave. Pas dans un langage que tu connais. C'est pas du français, c'est pas du basque, c'est pas de l'espagnol. Je vais sortir Attends, avant de continuer à avancer, je vais m'arrêter. Je vais sortir de mon sac une chandelle. Je vais avoir une chandelle dans mon sac. Ouais. Je vais prélever un petit peu de cire en la faisant réchauffer, tu sais, pour la récupérer. Et je vais m'en mettre dans les oreilles. Je m'isole un peu du bruit, de ce bruit-là. Tant pis, et je continue à avancer. Parfait. Donc tu fais encore quelques pas et au détour, en fait, tu connais aussi un peu les grottes, tu les avais déjà vues, tu savais qu'il y a une partie un peu plus dégagée, un peu assez grande, comme d'amphithéâtre naturel sous la montagne, en fait, puisqu'il y a aussi un cours d'eau qui y passe et tout ça. Et en fait, donc tu arrives à cet endroit-là et tu as tendance à dire que tu as le souffle couplé par ce que tu vois. Tu vois. La première image que tu vois, c'est des corps, plein de personnes qui sont dos à toi, enfin, en tout cas tu vois leur dos, sur place, d'où les voix partent. Il y a l'air d'avoir différentes lumières qui ont été déposées à différents endroits de la grotte, mais en tout cas il y a une lumière qui berce tout l'endroit, et tu vois que toutes les parois brillent d'une sorte de lumière verdâtre qui contribue à cette ambiance très stressante, en tout cas pour Artsa. Et l'endroit est quand même assez vaste, parce que tu dois dire qu'il y a peut-être 100 ou 200 personnes qui sont là. Et là où il y a ces lumières verdâtres, tu distingues aussi comme des symboles qui brillent sur ces murs. Et au centre, en tout cas en contrebas plutôt de l'amphithéâtre naturel, vers le centre, il y a l'air d'avoir une sorte de petit rocher que tu avais déjà vu, qui était en surplomb de la rivière, enfin, du cours d'eau qui passait. Et sur ce rocher, tu vois un homme. Tu reconnais tout à fait cette personne-là, c'est Damien, qui tient un objet entre les mains. Avec la luminosité, tu as du mal à voir ce que c'est, mais tu te dis peut-être que c'est cette sorte de tablette qu'il a entre ses mains. Il articule aussi. Par contre, c'est pas sa voix qui entend. Par contre, c'est les mouvements de ses lèvres pulsent au même rythme que les voix que tu entends autour. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale. Tout à fait. Je fais 54 pour 80. Très bien. Donc tu es voilà, sur tes gardes, concentré, tu vois ça. Et effectivement, par rapport à ce que tu comprends aussi, en tout cas ce que ta raison te dit, c'est que un autre élément peut-être surnaturel ou mystique ou bizarre, c'est que toutes les voix des personnes sont vraiment parfaitement toutes au même rythme. C'est comme s'il y avait ces centaines de voix qui en faisaient qu'une, dans un langage que tu n'as jamais entendu, et tu as le droit de me faire un jet de listen. Avec un malus parce que j'ai des trucs dans les oreilles, n'oublie pas. C'est vrai, tu n'oublies pas. Alors... Combien ? Moitié du score, 20% de malus, combien de malus ? Ben là, je vais dire 50% de malus pour l'instant. Ok, bon, d'accord.
Donc j'ai 5% alors, avec 50% de malus. Ouais. Mais j'ai fait exprès, hein, on s'entend. Donc, Ouais. J'ai fait 97, donc c'est pas un critique, mais on s'entend que je n'entends rien, c'est fait exprès. Ok. Donc, hormis le fait que tu ressens les basses des voix, effectivement, parce que ça se dit pas, tu t'entends rien d'autre que ça, quoi. Ouais. Ouais. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je regarde quand même derrière moi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, tu sais, style, qui va me backstabber. Et s'il y a personne derrière toi. Ok. Bon, très rapidement, est-ce que d'un coup d'œil, j'arrive à déterminer que si j'arrive à reconnaître des visages dans la foule, comme les gens du village, par exemple? Donc, en fait, t'as aucune difficulté, tu reconnais beaucoup de gens du village qui sont là. D'accord. Donc, en fait, c'est tous les gens qui en ont disparu. En tout cas, même s'ils sont de dos, comme il y en a qui sont un peu sur les côtés, tu le vois dans les feuilles, tu reconnais effectivement des gens du village. Et oui, j'ai oublié de dire, tu sens aussi l'odeur, la même odeur que dans le puits et tout ça, quoi. Mais j'imagine. Et je suis en hauteur. On est d'accord? T'es... En fait, t'es la partie où il y a toute une partie de gens qui sont au même niveau que toi, et d'autres qui sont un peu plus en contrebas, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça descend sur 2-3 mètres, pas plus que ça, quoi. Ouais. Et là, j'ai constaté que tu t'es arrêté. Les premières personnes, elles doivent être à un peu moins de 10 mètres de toi. Est-ce qu'elles ont l'air en transe? Tu peux considérer qu'elles ont l'air en transe, ouais. Parce qu'elles ont l'air figées, à répéter, à scander, le regard dans le vide. Ce que je vais faire, c'est que je pense qu'elles sont totalement obnubilées. Et donc, si je m'avance, elles ne devraient pas me voir. Mm-hmm. Donc, je vais essayer, toujours en étant très discret, je vais essayer d'aller me rendre sur le promontoire où Damien se trouve. Bon, je veux pas me foutre au milieu et marcher au milieu de tout le monde, mais si j'ai un moyen d'y arriver, même si je passe à côté des gens, mais s'ils me captent pas parce qu'ils sont omnubilés, et si je détecte que le rythme s'accélère, ben moi j'accélère du coup parce que ça risque que ça va arriver jusqu'à la fin, quoi. J'imagine que c'est une sorte de prière ou de psaume ou quelque chose comme ça, donc il doit y avoir une fin et c'est toujours à la fin que ça se passe mal, donc je me dirige vers Damien. Ok, fais-moi un jet de sneak. Shimoun, il est à tes côtés, il a le poil hérissé, qu'est-ce que tu lui dis? Pour l'instant il bouge pas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je lui dis de rester de rester là où on est. Ok, chouchou, je fais 57 pour... Ah, 56 pour 57. Fais-moi un jet de spot hidden, s'il te plaît. Tout à fait. Je rate, comme d'habitude. Donc tu t'avances de la façon dont tu penses, très discrète au milieu des personnes. Et effectivement, ton hypothèse devait être correcte. En tout cas, sur les premiers rangs, tu passes à côté d'eux et personne ne réagit. Ou en tout cas, ils ne font semblant de ne pas réagir. Et ils te laissent progresser de quelques mètres. Et tu t'approches. Je m'approche de Damien. Je sais que si le moindre gars se réveille, ils sont 200, je suis tout seul, c'est fini. Donc le but, c'est pas... je vais pas aller pour tous les désinguer. En plus, c'est des amis, c'est des gens à qui j'ai confiance et tout. Donc je m'approche de Damien. C'est ça que je cherche. Par contre, s'il y a des gens que... S'il y a des intrus dans le sens où... Par exemple, des Allemands ou des jeux qui arriveraient ou d'ailleurs, ouais, j'ai plutôt dit à Shimon d'aboyer s'il voit d'autres gens qui arrivent dans la grotte. Voilà, c'est ça qu'il doit faire. Ou si je vois des petits bonhommes verts, tu sais, ou quelque chose comme ça. Là, par contre, je vais faire gaffe. Mais ensuite, sinon, les autres, c'est des gens que je connais, quoi. Donc, et je suis pas du tout belliqueux. J'avance juste je me faufile pour essayer d'arriver jusqu'au centre du promontoire. Voilà. Ok. Donc, tu avances à peu près à mi-parcours. Refais-moi un jet de spot hidden. Tout à fait. Ma compétence parfaite, hein. Oh, 0,6. Donc, ça réussit. Ça tombe bien. Refais-moi un jet de sneak, s'il te plaît. Voilà, non, là, ça va être un peu difficile. Allez. 0,4. Oh, putain, deux critiques d'affilée, là. Ah ouais, c'est bon. Mes idées sont chauds, là. Vas-y. Okay. Donc, Arda, il a dû se pencher pour glisser entre les... On va dire les personnes qui sont en train de scander pour se rapprocher à mi-parcours. Et là, effectivement, peut-être concentré sur retrouver des choses qui seraient autres que les gens du village, il repère une forme, un peu en retrait de Damien, qui étonnamment n'a pas vu au début, alors qu'elle est plus massive que lui. Elle a tout à fait la carrure d'un pierrot, mais c'est pas un pierrot. C'est musculeux, ça a l'air visqueux, ça... Artsa, il dirait que c'est comme si un être humain serait une sorte de serpent. Et c'est en attente.
Mais ça a l'air d'être sur le qui-vive quand même. Et ça va être sur le qui-vive, ouais. Et comme t'as fait quand même 0,6, tu sens aussi des vibrations dans le sol. Et t'as ressenti aussi des vibrations qui venaient plutôt de l'extérieur de la grotte. Voilà. Donc tu peux encore faire un truc et au prochain avancé, tu seras sur Damien. Mais là, il y a cette espèce de créature immense. Et là, t'es au milieu des gens. T'es un peu baissé chez Considéré, ce qui fait ça. Et t'es au milieu d'eux. Et effectivement, t'as repéré ça, ouais. Par rapport à ce que tu m'as dit, on va dire le champ n'accélère pas ou n'est pas plus intense, mais tu ressens une aura plus forte là où t'es. Ouais. En tout cas, on va dire plutôt, je pense pour Arthur, une sorte d'oppression plus forte. Je comprends. Bon, maintenant que j'ai identifié une menace, et que je suis pas un combattant, on s'entend, c'est pas parce que j'ai fait la guerre que je suis un combattant, je vais allumer mon cocktail Molotov, et ensuite je vais, donc, mais qui va, la mèche va pas brûler tout de suite, si je, avec un peu de chance, j'ai un peu de temps avant que, j'ai une minute avant que je dois le faire. Donc mon but c'est que s'il y a une réaction agressive de la part du lézard géant, mais en fait, je vais lancer le cocktail Molotov dessus, mais si en fait il se passe rien, je vais juste enlever la mèche du truc et la mèche brûlera. D'accord ? Ouais, d'accord. Si j'y réussis, on t'entend. Et je vais continuer à avancer. Donc, tu dis que le prochain tour, je suis sur Damien. Donc, je m'avance vers Damien, toujours, en étant discret. Et je dis d'une voix relativement sobre, un peu comme. Juste avant de le dire, parce que tu vas refaire ton jet de sneak. Ok. Sneak et Spot Hidden. Bon, je fais un critique de sneak. Sneak, Spot Hidden et Listen. Alors, Listen, j'ai 5% parce que j'ai des trucs. Hein. Alors, Sneak. Non, t'auras un peu plus. T'as 20% juste de malus, t'as 20% okay. Pour Listen. Alors, Sneak, 13 sur 57. Vas-y. Donc, ça réussit. Parfait. Listen, 18 sur 27. Spot Hidden, 18 sur 27. Ah, j'ai dit Listen. Ok. So, 18 sur 35 alors pour Listen. Donc, j'entends. Ok, ouais. Voilà, 94 pour 27, donc je spot pas, mais je suis très concentré sur mon truc, je regarde ouais. Pas dans ma périphérie, donc ça paraît logique. Donc tu vas pouvoir dire ce que tu fais, donc tu vas être à 2 mètres à peu près de Damien, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Voilà, là où tu voulais, t'es pas collé à lui, mais tu veux être à une certaine proximité, quoi. Et au moment où tu vas parler, tu vas pouvoir le faire, donc là où t'es, tu vois plus la... Sauf si tu l'as gardé en visu, mais sinon oui, tu vois plus la grosse créature. Okay. C'est quand même le danger. Donc, comme si je veux lui envoyer okay. Le cocktail sur elle, il faut que je la voie. Ok. Donc, dans ce cas, t'as vu qu'elle est partie. Mais... Donc, t'as vu qu'elle est partie. Ah, mais pas de ton côté. Et t'as entendu Shimoun aboyer. Et donc, t'as entendu autre chose. Qu'est-ce que j'ai entendu? T'entends des coups de mitraillette de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur, pas de l'extérieur, qui viennent vers vous, mais qui viennent de l'entrée de... Donc les Allemands sont là. Par où t'es arrivé, okay, quoi. Les Allemands sont là. Ouais. Effectivement, après, sur le coup, tu vas entendre des voix allemandes, mais là, t'as insonorisé, c'est pas ce qui est passé le plus, quoi. Ouais, ok. Donc, la créature est sur moi, et j'entends des... Ouais. Ok. Donc, je vais faire deux choses en même temps. Je vais parler et faire un truc. Donc, parler, je vais dire de... Je pense que Damien avait tendance déjà à partir dans des espèces d'élucubrations bien avant qu'il y ait toute cette histoire-là. Et j'imagine qu'à plusieurs reprises, quand Arta était là, Arta prenait cette voix qui essayait de le ramener plutôt dans la sobriété. Tu sais, un peu comme dans Indiana Jones, le troisième, celui du Graal, où au dernier moment, quand Indiana Jones il veut attraper le Graal alors qu'il va tomber dans le précipice, il a son père qui le tient, qui lui dit... Indiana, laisse-la. Tu sais, avec cette espèce de voix qui la ramène énormément à la lucidité. Mais je fais la même chose, en fait. J'utilise cette voix pour lui dire « Damien, ce que tu fais est mal. Arrête-toi tout de suite. C'est pour le bien de tous. » Et j'essaie de voir si ça lui permet de sortir de sa transe. Et en même temps, j'enlève la mèche du cocktail Molotov pour pas qu'il explose. D'accord. C'est ça, mon action. Comment on pourrait simuler cet aspect-là de voir si ça fait quelque chose ou pas Psychologie. Allez, vas-y, fais psychologie. Persuader, il y a une compétence persuader. Ouais, mais persuader, c'est que ça prend du temps, c'est plusieurs heures de. Donc. Mais bon, allez, tentons persuader, on va voir. Persuader, allez, peu importe, je suis pas beaucoup meilleur dans un cas. Vas-y. D'accord. De toute façon, ok, vas-y, lui il a fait aussi quelque chose de son côté. Et ben il a raté. Moi, Arsa, il a raté. Ok.
Donc il avait réussi sa psychologie. Donc, et par contre, il va se passer autre chose. D'accord. Ok, c'est bon, ça passe. Ok, donc tu as tout à fait dit ça. Tu vois que Damien a levé la... Enfin, t'as regardé droit dans les yeux, mais que ses lèvres continuent à bouger. Et d'ailleurs, j'ai oublié, tout à l'heure, t'aurais dû faire un jet, mais bon, peut-être tu l'as réussi. T'auras perdu un point de santé mentale quand t'as vu quand même la créature bah oui, à côté de... J'imagine. Voilà. Tu m'as fait faire un jet, tu m'as pas dit que j'avais perdu un point, alors je rajoute que je... Ouais. Allez, j'ai perdu un point. Et donc là, en fait, tu vois dans ses yeux... Donc, clairement, t'as parlé, il t'a entendu, t'as reconnu. Tu vois, ses yeux sont passés sur un... Pas de embrumé à la vision, mais... Je vois que c'est toi, je te reconnais, mais je suis dans mon truc et je continue, quoi. Et là, tu sens une vague... Une vague qui part de la tablette qui tenait en fait, donc il tenait cette tablette-là entre les mains, une sorte pas de luminescence, mais d'irradiance, d'énergie, ou tu sais pas trop quoi, qui part de lui, qui part de toute la salle, tout le monde, ça résonne autour, tu sens que les gens autour de toi, c'est comme s'ils pulsaient de quelque chose aussi. Ça a l'air de converger vers la tablette et de résonner avec la tablette et de partir. Et au lieu de juste faire ça et disparaître, c'est comme s'il y a une sorte un peu mini explosion en fait. Tout le monde est un peu pas chancelle, mais prend comme un contre-coup de vent ou quelque chose comme ça, d'odeur très forte de mer. Et tout d'un coup, il y a un mini blanc. Je vais dire ce qui se passe après. Et en même temps, tu entends bien les Allemands. Donc là, ça hurle hyper fort en allemand et ça tire. Et voilà. Donc j'ai de santé mentale, on a dit. 18 pour 79. Ouf, très bien. T'as une super santé mentale. J'ai une très bonne résilience, tout à fait. Voilà, t'as une très bonne résilience pour l'instant par rapport à cet événement-là. Ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais? J'imagine très bien que... Ou je peux imaginer qu'en fait, tout le problème vient de la tablette. Et ce que j'aimerais, c'est donner un coup de maquilla dedans, en espérant un des deux effets suivants. Premier effet, en fait, ça déséquilibre la tablette et en fait... Damien la lâche et elle tombe par terre et elle se casse. Deuxième effet, si c'est pas le cas, c'est pointu un maquilla, c'est fait exprès, c'est oui. Utilisé par les bergers pour se défendre contre les loups. Souviens, ouais. Et donc en fait, je vais planter la pointe, en fait je vais percer la tablette, ou je vais donner un coup pour percer la tablette et l'endommager, avec espérant un effet déstabilisation de cette espèce d'aura qu'elle a. Un des deux. Soit elle tombe, soit je la casse. Soit je rate. Ok. Bah, tu fais un jet de taper avec, quoi, entre guillemets, c'est quoi, ça serait... Y'a pas Brawl, c'est quoi dans ce jeu-là, déjà? Mon fist. Comme si je poussais avec un fist, en fait. Ouais. Allez. Donc ça tire, et t'entends qu'il y a des gens qui tombent, et t'as des hurlements aussi, du côté des Allemands, des choses qui... Il faut que tu fasses gaffe aussi pas de prendre un coup. Ouais, et ben, je rate. Avec 84, donc je dois être Ouf. Déstabilisé par ce moment de blanc et je rate la tablette. Fais-moi un jet de chance. Allez. 50, je réussis. Ok. Donc il y a des balles qui passent un peu au-dessus, au côté, donc tu prends pas de balles, mais tu vois qu'il y a des trucs qui s'attirent partout, ça hurle. Donc t'as tapé, mais t'as raté, donc t'as tapé dans le promontoire en fait. Et t'as Damien qui te regarde avec la tablette à la main. Dans cet événement qui s'est passé sur ce micro blanc, d'un coup, il y a des bruits de... Fais-moi un spot hidden. 41, je rate. Donc, la chose que tu remarques, par contre, d'un coup, là, t'as besoin de faire hidden, d'un coup, de l'eau, là, puisqu'il y avait un petit cours d'eau, il y a une sorte de grenouille qui sortent, noires, qui bondissent un peu partout, et toutes petites, et qui passent entre les gens, et qui vont vers là où il y a les coups de feu, et tout ça. Et ces grenouilles, il y en a une qui passe entre tes jambes, par exemple, et au moment où elle passe entre tes jambes, moi, tu vois, en fait, elle change de forme. Elle devient très grosse, comme une sorte de chose, avec des tentacules ou choses comme ça, comme une sorte de masse noire très, très bizarre, visqueuse, qui, d'ailleurs, c'est peut-être une de ces lanières qui passe sur toi, ça te passe à travers, ou sur le côté, ça te touche. Enfin, une odeur, voilà, et l'odeur très, qu'on a eue de l'eau, cette odeur-là de charnier et de mer visqueux. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale. Dis donc. Ou je rate. Je fais 98. Ah. C'est pas critique, mais je rate. Là, je vais perdre des points. Et donc là, tu lances
un des 4 plus 1. 4 plus 1, 5. Sérieux? Ben ouais. C'est bien, c'est comme ça que tu viens de perdre 5 points d'un coup, donc tu tapes, taper une petite folie alors, temporaire, mais. Ok, super. Donc en fait, c'est la vision de ces choses-là Mais c'est horrible. qui sont passées entre tes jambes, une sorte de larves là, qui changent de forme et qui fusent vers là, le bruit des mitraillettes et des Allemands qui hurlent aussi, et voilà. Oh, ça va être une folie douce. Tu fais un jet d'idées. Allez. J'ai fait 54 et j'ai 60 en idée. Donc je réussis. Très bien. Non, j'ai 70 en idée. J'ai réussi. Voilà, tu réussis, ce qu'il faut absolument pas faire. Parce que tu aurais raté ce jet, tu aurais refoulé le souvenir qui vient de se produire. Ton esprit t'aurait protégé. Mais là, tu comprends la pleine signification de ce que tu as vu et de ce que tu ressens. Alors tu vas me lancer un des 10, s'il te plaît. 4. 4. C'est très bien. Tu vas pendant. Et tu vas me relancer un autre des 10. 10. Pendant 14 rounds, tu vas te mettre à bafouiller. En tout cas, dès que tu vas parler, ça va bafouiller. Tu vas tenir des propos incohérents avec un débit accéléré, choses comme ça. Donc là, tu es tellement choqué par ce que tu viens de voir, ce que tu prends conscience de ces choses-là qui existent et que la folie que pouvait avoir Damien avec les discussions, tu disais cette lubie ou autre, de tout ce que tu viens de faire et d'accumuler dans la journée, tu dis en fait, c'est vrai, il y a des horreurs comme ça qui existent et il a osé les appeler et que voilà, t'en perds ton basque. Mais tu peux agir. Donc je suis toujours en face de Damien, il est juste à côté de moi, mais Oui, ok. tout à fait. Ouais. Donc je vais essayer de dire Damien, lâche cette tablette et allons-nous-en et fuyons. Mais en fait, la seule chose qui sort de ma bouche est et je me jette sur lui pour essayer de lui arracher la tablette des mains quand même, mais ça sort Bah, pas. tu fais un jet de grapple. Et t'as combien en dex? J'ai 15 de Dex. Oui, c'est vrai, tu m'étais donc tu t'agis largement avant lui. C'est Grapple, tu m'as dit? Oui, super. Grapple, ouais. Tout à fait ma compétence préférée. 11! Ouh, je réussis! Là, on s'arrête au moment où effectivement tu arrives à tenir. Tous les deux, vous l'avez dans les mains, quoi. Vous allez devoir vous battre pour l'arracher, mais vous l'avez C'est dans les ça. mains. Donc, pour jouer ça de façon que ce soit pas trop ennuyeuse, je vais considérer les éléments qui se passent autour en parallèle et je te dirai ce qui se passe et vous allez agir. Donc là, pendant votre tour, tu t'es jeté sur lui pour faire un grapple. Donc lui, il va aussi essayer de refaire un jet enfin, pour te l'enlever, quoi. Voir s'il va réussir ou pas. Non. Donc tu vois, il tient comme toi, mais vous tenez bien. Autour de vous, tu constates que les gens ne sont plus en transe et ils se mettent à hurler et à courir de tous les côtés. Tu vois pas du tout ce qui se passe derrière toi, puisque là tu es face à Damien qui est au promontoire, donc tu sais pas, t'entends toujours les tirs, les hurlements derrière. Tu sais pas si tu vas te prendre bientôt une balle ou un truc comme ça. Dans le brouhaha, t'entends plus Chimoun. Et voilà. Nouveau round. Qu'est-ce que tu fais? Toujours pareil, le but c'est lui arracher la tablette des mains. Donc deuxième jet de grapple, puisque pour l'instant t'as l'initiative, donc le deuxième tu vas lui arracher, puisque là il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Donc si tu réussis ton jet de grapple, il va. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Tu que je auras peux la faire tablette entre tes pour, mains. au lieu de grapple hein, parce que... Non, c'est du grapple. Ouais. Bon, disons que mes Après, tu chances peux de le taper si réussite sont tu quand même veux. très faibles, hein. On est d'accord, hein. Si au lieu de faire un grapple, c'est mon ami quand même, je peux pas lui donner un coup de poing. Non, je vais grapple, ouais, ça fait du sens. Allez, vas-y. 40, je rate, puisque j'ai 25 en grapple. Ok. Vous êtes tous les deux neutres aussi. Fais-moi un jet de Et chance. je crie quand même. J'essaie de lui dire de lâcher, Ok. mais ça sort pas. Il faut voir s'il fait psychologie en même temps. Et faites un jet de chance tous les deux. Je fais Donc là, il fait 12. son jet de 12, chance. je suis très Il chanceux. rate. Et psychologie, il comprend pas ce que tu dis. Par contre, lui, il n'a pas été chanceux sur son jet. Donc il y a une balle perdue, en tout cas, il se prend une balle. Une balle qui arrive. Bah allez, il va lâcher la tablette là, on s'entend que c'est un humain. À moins que ce soit plus un humain normal, ça fait mal une balle. Hein. Oui, ça fait très mal une balle de mitraillette Perdu. qui tire. Donc il vient de se prendre une balle et donc oui, il lâche et il est au sol. Il n'est pas mort, hein, c'est clair, mais
ça pisse le sang, quoi. Tu vois qu'il y a une balle perdue, bah, pour l'esprit cinématique, il y a une balle perdue qui arrivait pile dans un bras, donc ça a arraché un bout de bras, quoi. Enfin, de chair. Oui, on est dans le Je cul, hein, crie de quand toute même façon, parce que c'est mon sanguinolent. ami, mais. Ouais, et donc ça l'a fait lâcher là. Donc oui, tu tiens la tablette. D'ailleurs, tu vas me faire un jet parce que sur le coup, c'est surpris et tout. Tu risques de la faire casser. Donc c'est peut-être un jet de. Ça Non, serait parce quoi ça? que. Alors, ouais, dis-moi comment il faut que je rate, parce que c'est un peu le but de la casser, la tablette. Hein. Ah. Bah donc tu peux laisser tomber si tu veux. En tout cas, Non, je pensais plutôt que, de manière beaucoup plus cinématique, je pensais ouais, vas-y. l'exploser sur quelque chose là, n'importe quoi. Tu sais, la taper Bah sur le contre. promontoire, t'as Voilà, le promontoire qui est en c'est pierre. ça. La taper dessus, Donc, ok, voilà. donc cinématiquement, vous êtes en train de vous battre, vous n'y arrivez pas, d'un coup, balle perdue, lui, il se prend dans le bras, donc il la lâche et il tombe un peu sur le sol, soit sur le cou ou autre, quoi, parce que tu penses pas qu'il est mort, même s'il a dû se prendre un beau Non, mais choc il faut que je le sauve. pour Là, une il faut note. que je me débarrasse de Ouais. cette tablette pour le sauver. Ouais. Et donc, t'as la tablette dans tes mains, voilà, à toi. Je casse. Donc, bah, tu fais un jet de. Comment on pourrait jeter ça? C'est juste, je prends et je la tape, quoi, il n'y a pas vraiment de truc. Ah, bah si, un jet de force. D'accord. Jet de force. Donc, Je fais 23 fois et donc 3. force fois 3. 33. 23 sur 33. Super. Donc, tu as été étonné par la résistance de l'objet. Et effectivement, ça se casse en morceaux. Tu as le petit dé qui part dans un coin. Tu as 3-4 fragments d'un coup. Donc, voilà, tu as deux morceaux entre tes mains, peut-être. Deux bouts qui sont éclatés au sol du promontoire. Et le petit dé qui était dedans qui est parti rouler dans la. C'était l'objectif, j'en ai rien à taper du dé. Donc là maintenant, en fait, je vais m'occuper de mon ami. Donc déjà, je vais nous mettre de l'autre côté du promontoire pour éviter les balles, parce que les balles nous fusent dessus. Et ensuite, je vais essayer de faire un garrot de fortune pour, parce qu'il doit saigner s'il s'est pris une balle de truc. Donc je vais Ouais. essayer de m'occuper de lui, mais en étant à couvert contre les Allemands, quoi. Ok. Donc comment tu fais ça? Là, Eh bien. le couvert va bientôt s'arrêter parce qu'avec tous les gens qui sont autour et qui sont en train de fuir un peu à gauche, à un moment donné, ça va se décaler. Le seul truc direct que vous avez, c'est le C'est promontoire, là ça. où il était, le sort de promontoire. Ok, donc t'es accroupi avec lui, quoi. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est comme si je le tirais à l'abri et après, ben, je regarde sa blessure et j'essaye de faire un garrot. Médecine alors. Premier soin. First aid, pardon. Premier C'est soin. pas mieux, mais. C'est plus réaliste. C'est ça, le but, c'est pas le tuer non plus. Je rate 64 pour 30. Non, je first aid pas. Ok. Ben, Donc je mets un t'essaies de truc, faire mais ça fait. un voilà. Je mets un truc, Tu mets un mais. truc autour de lui, quoi. Ouais. Et je vais. En lui disant, ça va... Est-ce que ça va, mon ami? As-tu repris tes esprits? Mais ça sort pas. Ça sort Comme pas ça, bien. ouais, c'est clair. Donc là, fait un jet de Spotiden. Ouais. C'est ce que je voulais faire, de toute façon. Je voulais faire un. Maintenant que. Essayer de trouver. De regarder si. Quel était l'état de la situation, en fait. Je fais 13 pour 27. Très bien. Donc là, tu vois qu'au tour suivant, en gros, la plupart des gens sont à terre, quoi. Avec les différentes rabats, les rafales qu'il y a eu, tout ça. Soit ils sont à terre parce qu'ils sont pris des balles, soit parce qu'ils se c'était la façon pour eux de se cacher ou autre. En gros, c'est le paf, entre guillemets, font le mort. Tu repères, effectivement, il y a une sorte de combat à l'entrée de la. Pardon, le chemin par où tu es passé, avec ces sortes de larves noires qui changent de forme, qui grossissent, petites, qui sont en train de se battre, pareil, avec ces soldats. Et tu vois pas la sorte d'énorme forme serpentoïde, on va dire. Je suis très déçu parce que j'imaginais qu'en cassant la tablette, tout ça disparaîtrait. Et là, tu es en train de me dire que l'horreur ne disparaît pas. Exactement, l'horreur ne disparaît pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Et par contre, Damien, il est un peu inconscient là. Enfin, d'ailleurs, il est pas un peu, il est inconscient en pissant le sang, quoi. Y a-t-il d'autres sorties dans les grottes que je Oui, connaisse? tu sais qu'il y a d'autres sorties. Fais-moi un jet d'idées. T'es sûr qu'il y a des autres sorties, c'est sûr? Est-ce qu'on va voir si t'en as que tu te souviens? 53 pour 70. Donc oui, avec tous tes systèmes de contrebande, ça, tu sais. Enfin, tu te rappelles qu'il y a des sorties et grosso modo, tu vois à peu près dans quels axes elles sont, quoi. D'accord. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais charger Damien sur mon épaule. Je vais aller récupérer le dé machin, en espérant qu'il soit dans la direction de la sortie, en fait. Et ensuite, on va sortir par derrière. Fais-moi un jet de Spotiden. 27 pour 27. Ouh, tu vois le dé, donc tu pourras le prendre au passage. Fais-moi un jet de force.
Non, ouais, ça va Fois être un peu 5. difficile. À force x 5. Comme j'ai de force. Comme j'avais dit tout à l'heure, 11. Donc x 5, 55. 0-1! Bah, motivé par l'ambiance, t'as aucun problème pour soulever et mettre Damien sur tes épaules et tu passes et tu récupères Tu vois que je, en le soulevant, c'est, le je dé. m'éclate tellement que je crie Oh, ch'tia! Je cherche mon dos. Ton GoPro, effectivement, tu fais ça, tu le mets là, on voit la force basque comme de rien quoi. Et go, tu pars dans la direction de là où t'as vu le dé, tu récupères le dé au passage et tu viens. Fais-moi un jet de chance, Ça, s'il je peux te faire. plaît. Ok. 47 pour 80. Vous arrivez à vous faufiler dans ton truc et t'es dans un des boyaux qui permet de sortir un peu plus loin dans la grotte. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, le but, c'est partir. Hein. Il y a des Allemands Ok. qui tiraillent tout le monde. Je peux pas sauver tout le monde, sinon je l'aurais fait. Je suis convaincu que Shimon est allé se mettre dans un... est allé se cacher. C'est un chien, de toute façon. Donc, le but, c'est d'aller sauver... de sauver Damien. Et donc de partir, quoi. Partir. Ok, tu refais un jet de chance? Tout à fait. Oh putain. Point d'inspiration? Ça n'existe pas, hein? Serais pour s'il y en a des dés. Donc je viens de faire 99 et j'ai 80 en chanct. Donc j'ai fait échec critique. Il fallait que ça. Après un 0-1 à Bien. 99, je pense que c'est le karma. C'est ça. Ben on va voir comment on traite ça. Donc en Ben fait, ce mal. qui se passe là, t'étais en train de sortir du boyau et effectivement, et d'un coup, tu as senti des vibrations. En fait, tu penses qu'il y a eu une explosion. Quelque chose qui s'est passé dans. Et c'est en train de s'effondrer en fait. La grotte, elle est en train de s'affaisser. Et il y a des trucs. Donc, il y a des choses qui bloquent ou pas. Donc là, tu as été pris et en fait, t'as Damien qui a glissé de ton dos, quoi. Donc il vient de se. Tu l'as laissé tomber par terre, quoi, et ça va s'effondrer. T'as un choix à faire, et vu que t'as fait un échec critique. Donc j'ai un choix à faire, c'est-à-dire soit je tente de le récupérer, mais il est fort probable que je meure enseveli, soit je le récupère pas et j'essaye de sauver ma peau. C'est ça? Soit tu le récupères pas et t'es sûr de sauver ta peau, soit tu tentes de l'entraîner avant toi que ça s'effondre et t'as une chance d'y rester. Soyons cinématiques un peu. C'est tout s'effondre, il y a les bruits, il y a la terre qui tombe et tout ça, il y a tout ce que tu as vécu, l'adrénaline et cette terre qui a tremblé. Je le laisse. Les basques trop rudes. Je le laisse. C'est lui qui Donc. l'a accessoirement, c'est lui qui l'a provoqué. Et Arza a toujours été très individualiste. Et il prend jamais de risques au point de. Il n'est pas suicidaire, loin de là. Il a un esprit de conservation très fort. Donc, à moins que je sois convaincu que je vais arriver à l'avoir, en une fraction de seconde, je lui dis adieu, mon ami, mais ça ressort comme parce que je suis toujours affecté de la folie, et puis je pars en courant comme un dératé. Effectivement, et pour rajouter l'ambiance cinématique, en fait, comme tu avais fait un échec critique, en fait, c'est qu'il n'est pas tombé juste sur le côté, quoi. Il est tombé, il est glissé en arrière et tout ça de quelques mètres, et tu as vu ces pierres tomber, et tout ça, tu t'es dit, est-ce que je le proche dessous et je tire ou pas, et effectivement, tu as fait cette logorée, et t'es parti, et ça s'est effondré derrière, le chemin s'est bouché, et ça y est, tu as survécu, la nuit est finie. Enfin, la nuit fait que commencer, mais J'ai tu as survécu! survécu pour le scénario. Et Shimoun qui a réussi son jet de truc, tu le retrouves un peu plus loin, qui vient te récupérer. Yes! Il est magnifique, c'est un scène de survie du chien. On s'entend que c'est le chien le héros de l'histoire. On a bien compris que grâce à lui, j'ai pu faire mon scénario. Pour notre troisième saison, nous espérons que vous avez aimé ce retour chez Cthulhu. Avec un côté classique, il est vrai. Nous avons aimé vous amener le merveilleux Pays Basque,
et cette touche inspirée par les sorcières Zugamourdi. D'ailleurs, malgré le choix difficile fait par Artsa, est-ce bien fini? Que pourrait-il se passer d'ici quelques années? Pour cela, restez à l'écoute des futures sessions, vous pourriez avoir une surprise. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires, aller voir notre site web undurolist.net ou nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, le Discord Magnetorolist, le forum Casus No, etc. Bref, amusez-vous bien, bon jeu de rôle et à bientôt!